Allez, salut les gars, voilà, c'est toujours moi, Sam Hospital, et vous êtes là sur la chaîne de Mr Russe 225. Voilà, donc un grand remerciement à ceux qui me suivent, et si vraiment ce que j'ai fait vous arrange, essayez de liker la vidéo, essayez aussi de partager la vidéo, mettez la vidéo sur votre compte ou bien en statut WhatsApp, voilà, pour que ceux qui ont vraiment besoin de ces informations-là puissent les avoir et puis essayez aussi de postuler. Voilà, donc c'est un grand merci que moi je peux vous dire, voilà. Et le seul élément que vous pouvez faire pour vraiment arranger cette chaîne YouTube, c'est de vous abonner et de liker la vidéo. Donc, merci beaucoup à vous. Et aujourd'hui, je donne l'information sur l'université du Qatar. Vous savez déjà que chaque année, l'université du Qatar donne des faits au moins. Ils ont au moins, par exemple comme ça, la rentrée d'octobre et ils ont aussi la rentrée de janvier. Alors, ici, la rentrée de janvier est déjà lancée et donc ceux qui sont vraiment intéressés à pouvoir postuler, moi je vais mettre le lien en commentaire et dans la description, et si vous êtes intéressé, vous pouvez déjà aller sur ce lien là pour pouvoir voir et pouvoir postuler. Donc pour l'information que je donne, c'est que la licence, le master et le doctorat peuvent postuler pour l'admission. Je répète encore, la licence, le master et le doctorat peuvent postuler pour l'admission à l'université, c'est-à-dire si vous pensez que vous pouvez aller étudier là-bas de vos propres moyens, vous pouvez postuler pour aller y étudier. Maintenant, il y a une bourse qui est disponible pour les masters et le doctorat. Donc, ça dit que pour la licence, ce n'est pas la peine. Si c'est seulement la bourse que vous voulez, alors ce n'est pas la peine de vous fatiguer à pouvoir postuler. Mais si vous voulez juste une admission pour aller y étudier, il n'y a pas de problème. Vous pouvez postuler et aller y étudier. Mais si c'est une bourse, c'est seulement, ça concerne que le master et le doctorat. Et pour pouvoir postuler à la bourse, c'est assez simple. Vous avez besoin juste de passeport, de diplôme, c'est déjà du classique. Passeport, diplôme et relevé des notes. Et vous avez besoin aussi de prouver que vous maîtrisez l'anglais. Maintenant, ceux, par exemple, comme ça, qui maîtrisent l'arabe, voilà, vous pouvez contacter directement l'université pour leur dire que vous n'avez pas le certificat en anglais, mais vous maîtrisez l'arabe. Alors, ils vont vous aider comme ça à pouvoir retrouver les filières et les facultés qui sont enseignées aussi en arabe. Voilà, donc si mathématiques est enseignée en anglais et en français et en arabe, et que ce n'est pas notifié sur le site que c'est enseigné aussi en arabe, vous pouvez les écrire inbox. Vous allez voir qu'ils ont, le lien juste en dessous là. Vous pouvez, sur le site, bien sûr, vous pouvez déjà les contacter inbox pour leur dire que vous voulez faire des cours en arabe. Maintenant, ceux qui ont le certificat en anglais aussi peuvent le faire. Le certificat en anglais, ce n'est pas forcément le TFL et tout ça. Si vous n'avez pas le TFL et que vous avez un autre certificat en anglais, il n'y a pas de problème, vous postulez avec. Maintenant, eux aussi, ils vont vraiment tester votre niveau pour voir, en termes d'interview, pour vous poser assez de questions, pour voir un peu votre niveau, si ça atteint un niveau C1 ou bien un niveau B2. Vous voyez? Donc, parce que pour pouvoir étudier dans une université, niveau B2 minimum, niveau C1 ou bien C2 maximum, vous comprenez? Voilà, donc c'est assez important. Alors, ceux qui veulent postuler, juste le passeport, le diplôme si c'est pour le master, voilà, le diplôme de licence, voilà. Ceux qui font aussi la licence ou bien des masters de recherche peuvent aussi postuler, il n'y a pas de problème pour ça. Voilà, donc, c'est un peu ça. Je mets le lien en commentaire et puis vous allez aller voir un peu comment ça se passe et puis comment est-ce que vous pouvez faire pour pouvoir postuler. Donc, les gars, c'était moi, Sam Hospital. N'oubliez pas, c'est très important pour moi. Abonnez-vous et aussi partagez mes vidéos. À plus, les gars.